Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Dead Space avec l'épisode 15. Évidemment, installez-vous confortablement. Et on est directement parti à notre objectif. J'ai déjà eu très peur. Hop, ça, on dégage. Donc, on y va. Si tout va bien, c'est par là-haut. Souvenez-vous, on avait détruit des sortes de générateurs et on devait retourner à la station du tram. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai de quoi m'acheter quelque chose ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose qui peut régaler? Ah, je viens de me souvenir que je crois qu'on était poursuivi. Aïe, les problèmes, crédit, 25 000. Les problèmes. Bah écoutez, on va y aller au calme. Ok. Voilà. C'était évident. On a eu chaud. Ok. On a eu très très chaud. Quoi? Je crois qu'il est parti. Mais j'en suis pas sûre. Le système a encore crashé. Ma caméra déconne encore. J'ai l'impression d'y voir mon frère. Il me fait signe. Au moins, le signal est envoyé. J'aligne les... Une seconde. L'antenne de communication ne répond pas. Oh non. Oh merde. Oh non, mais je vous en supplie. On l'a pas réparé. Ce n'était pas un problème d'ordinateur. Alors espérons que l'estimation de 48 heures aussi était fausse. Sans communication, on oublie le sauvetage. Prends le tram jusqu'à la passerelle. Je forcerai la porte de la salle des communications. Tu pourras aller voir ce qui cloche avec l'antenne. Et ne t'en fais pas pour Nicole. Comme l'a dit Amanda, elle fera ce qu'il faut. Oh là là là, les gars, wesh, laissez-moi 5 minutes. Oh, vous l'avez vu. Ok. Oh, vous l'avez vu. Wesh. Oh non. Mais lâchez-moi, nom de Dieu. Ok. Oh, c'est pas vrai, hein. Je crois que j'ai fait une bêtise, là, avec le lance-flamme ou pas. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, je suis perturbé. Ok. Ça, j'ai toujours pas les autres aussi. Yes. Attendez. Il y a peut-être... Pause. Ok, ça se revend. Ça, c'est bien, ça. J'ai eu trop peur. Oh, les bâtards! J'ai eu trop peur. Se rendre sur la passerelle. Levez du verrouillage de la station. Il y a quoi là-bas? Les potes? Pas de blagounette? Y'a quoi là-haut, wesh? Monde charge, mais ça met nous. Y'a pas écrit. Ah si, attendez. Vers le pôle principal. Non. Ça, c'est du hors-piste. Ça, je reconnais, c'est totalement du hors-piste. Ok, on se casse. Dites-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, dites donc. Oh, c'est beau, ça. Attendez. C'est beau, ça. Ok. Allez, dites-moi que c'est le dernier voyage, là. Je vous en supplie, c'est terrible. Oh non, il y a encore un truc verrouillé, on est mort. Il y a encore ça qui est verrouillé, on est mort. Allez, c'est parti, avant dernier voyage. Le truc qui est intuable, c'est horrible, les gars. La pression qu'il met, c'est pire que Nemesis. Je crois que je peux le dire officiellement.
Ok. Bon, direction la passerelle. On va voir un petit peu ce qui va se passer. J'ai déjà peur du boss final, pour être honnête avec vous. En tout cas, s'il y en a un, du moins. Quoi ? Dysfonctionnement de l'alimentation. Veuillez patienter. Conduit d'aération. Oh non, c'est lui. Oh non, il vient nous rechercher. Il a l'air plus balèze que les autres. Oh là là. Oh là là, il y a quelque chose qui arrive et je sais pas c'est quoi. Oh, on va passer un très mauvais moment. Ah, oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Arrêt imminent, passerelle. Okay. Il est monté avec moi ou pas? Il est monté au-dessus, genre? Quelqu'un? On a réussi. Isaac, un vaisseau nous a contactés. L'USM Valor, il a dû intercepter notre signal de détresse. Si vite? Qu'est-ce qu'un vaisseau militaire fait si loin? Il est peut-être en patrouille. Bref, vu la situation, n'importe quelle aide serait la bienvenue. Rejoins la salle des communications. Une fois qu'on aura réparé l'antenne, on obtiendra toutes les réponses qu'on cherche. Okay. Les amis, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grave bêtise. J'ai fait une grave bêtise. Oh là là, j'ai appuyé sur rond comme un abruti. Je suis vraiment si con que ça. Ok les gars, j'ai fait une très grave bêtise. Je ne suis pas content. Oh là là. Ok. On est parti, on va aller là. J'ai utilisé tous mes heals, voilà, tout simplement, comme un bobo-ours. Ok. Ok, on va passer par ici, ça me paraît pas mal là. Ça peut régaler ou pas ça? Oh non, on est déjà fait. Oh, je m'en souviens, on est déjà vu ici. C'est terrible. Je suis mort dans le film. Ok. Ok, on va vendre quelque chose. Stockage. Biba biba boum. On va vendre ça. Ça me paraît pas mal. Et en vrai, les amis, je suis désolé. Je crois que je vais vendre ça. Je m'en bats les couilles. Et j'ai envie de m'acheter ça à la place. J'ai foutu 4 000 $ en l'air, je suis vraiment un connard. On va voir si on y arrive sans. On va voir si on y arrive sans. Ah! Réparer l'antenne de com. Ok. Ok, lâche-moi. Lâche-moi, bâtard, je te mets des vraies patates, moi. Okay.
bien. Quarantaine. Ok. Moi, je réutilise tous les soins, nickel. Impeccable ça, hein. C'est peut-être le problème de l'antenne de communication qui s'aggrave. Non, c'est pas ça. Enfin bref, la porte vers la salle de communication devrait être ouverte. Tu devrais pouvoir te rendre vers la salle de... Oh là là. Va falloir que j'achète des soins, les gars, je vais pas tenir. Je pense que quelqu'un nous écoute. Je ne vais pas tenir, c'est pas possible. C'est pas possible, la pression est omniprésente sur ce jeu, c'est horrible. Même quand ça n'a rien à voir avec Callisto Protocol, tu découvres une salle bonus, c'est un vrai bonus. Là, c'est une salle où tu peux mourir, en fait. Lance-flamme est mon meilleur ami pour l'instant, mais ça va pas durer bien longtemps. Bah oui, mais je m'en souviens. Bordel de merde, je m'en souviens. Ok. On est y part. Je suis un connard. Là. Mais c'est pas vrai, frère. Ok, je ne savais pas que ça one-shotait. Très bien. Eh bien, c'est terrible. Mort, on est reparti. Oh là là, c'est dur. Et je fais la même erreur, hein. Ça, mon ref. C'est pas possible. Non, mais c'est une blague, c'est un prank. Ok. Ça, je prends. Ok, les amis. Où est le découpeur là? Il est là, équipé, et on va le mettre ici, hein, au calme. Très bien. Oh là là! Réparer l'antenne de communication. Activation confirmée. Oh mon dieu. Une salle bonus. Je n'y croyais pas. Attendez. Ok. Attends, c'est tout? Ah, il y en a jamais assez, hein. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Merde. Bon, moi, je l'ai calé. Je l'ai calé dans le pot de calé.
que j'ai cru qu'il y avait un bonus. Ok, une petite salle bonus, ça c'est réconfortant ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Antenne de communication hors service. Un technicien a été prévenu. Message non envoyé, retrouvé dans le cache. Rapport d'activité du capitaine Benjamin Matthews au Paragon Jordan Luna. Ce sera ma dernière transmission. Ensuite, je veillerai à ce que notre pèlerinage se déroule sans accroc. Nous avons réussi à rapporter le monolithe sacré à bord. Le docteur Kine, un expert du monolithe d'origine, est en train de déchiffrer ses secrets. Désolé d'avoir placé J7 en quarantaine. Le travail du directeur Eckhart en a peut-être souffert, mais... une sorte d'épidémie s'est déclarée. Ceci dit, le démantèlement planétaire commence demain, comme prévu. La CEC peut supprimer son opération illégale maintenant que nous détenons la vraie récompense. Quel gouvernement terrestre essaie de cacher ça? Gloire à Altman. Matthews terminé. Ok. Bon, je vais là, rien à péter. Allez, un autre bonus. On va en prendre sûrement plein la gueule. Alors, semi-conducteur, je prends. Qu'est-ce donc? Des crédits, je prends. Ok, c'est tout. Il n'y en a jamais assez, il n'y en a jamais assez, hein. Réparer l'antenne, mais l'antenne elle est dehors. Oh, c'est pas vrai. Évident. Oh, ça c'était incroyable. Je n'ai jamais trop. Ok. Putain, c'est bon. Le Valor tient la position. Comment sort l'antenne? Allez, HS. Alors. Quelqu'un a trafiqué les émetteurs pour faire briller le système. On est foutu, c'est ça? Non, le boulot a été mal fait. Certains émetteurs sont intacts. Oh oui, d'accord. Ok, j'ai compris, j'ai compris. On devrait pouvoir envoyer un signal. Ok, j'ai compris. Ok, c'est ça. Moi, je vais continuer de surveiller. Waouh. Là, on est bon, genre. Oh, quoi? Ah, attendez. On connaît ces énigmes-là. Ça, ça n'a aucun sens que ce soit là. Donc ça, ça n'a aucun sens. On va le laisser là. Ça peut avoir du sens à cet endroit-là. Mais qui fait des générateurs comme ça, frérot? Ok.
c'est un casse-tête. On va se remettre à l'endroit. Alors, incroyable, mais qui fait ça dans l'espace, frère? Je crois que t'as réussi. Essaie d'ouvrir un canal vers le Valor. Okay. Oh merde, c'est un bébé. Ok, allez, ça c'est fait. Je suis plutôt satisfait, je ne vais pas mentir, les amis. Activer l'antenne, ok. Attends, ceci dit. Ok. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y aurait là-haut, alors? Bah voilà. Journal des communications. Premier opérateur Bailey au rapport. J'aimerais que ceci soit enregistré. Le vaisseau est attaqué, mais le capitaine Matthews refuse l'envoi de tout appel de détresse. Et on sait tous pourquoi. Cette opération tout entière est illégale. Aegis-7 a été condamné. Il le savait, on le savait. Et on s'est tous tués. Mais c'est fini maintenant. Mayday, Mayday, Mayday. Ici USG Ishimura. J'appelle. Mais qu'est-ce que... Seigneur, il a désactivé l'antenne de communication. C'est quoi le rig de Bailey, les gars? Attendez. Le rig, c'est sa tenue, non? Attends. Petit point de survie. C'est quoi le rig de Riley, les gars? J'ai trop envie de checker. C'est une nouvelle tenue? C'est quoi? C'est efficace et pas cher? C'est Riley qu'on préfère? Ok. Check à gauche, à droite. Ça, j'aime. Ça, j'aime bien, ça. C'est parti. Ah! Ici l'USM Valor. Nous transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura en réponse à votre signal de détresse. Nous avons récupéré votre capsule de sauvetage numéro 47 et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. Une capsule de sauvetage? Merde! C'est la capsule qu'Amon a éjectée! Jen! Enfin, cette créature était à bord! Non! USM Valor, vous me recevez? À vous, Valor! Ah, notre signal est trop faible! On peut déployer l'antenne longue portée? Non, il y a quelque chose qui bloque les portes au niveau de l'antenne. Qu'est-ce... Il doit y avoir une commande manuelle au niveau de la maintenance. J'y vais. Toi, essaie de les contacter. Ouais, mais attendez, vu comment ils étaient équipés, en vrai, ils vont pas se faire baiser par juste une vieille créature. J'en ai tué 150, dont deux ou trois boss d'ailleurs, que vous savez. Ok, déployez l'antenne. Ok, c'était évident. Ouah. Wow.
Ok, ok, les amis. Alors, attendez. Ça, on l'utilise, rien à péter. Ça, on l'utilise. Ok, on est bon. Les amis, le suspense est à son comble. Je prends Energy Lasers. Un point. Bien, ma petite idée d'où le mettre. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, les problèmes. Ok. Et là. Alors, attendez. Est-ce qu'on n'a pas une arme qui peut tuer de loin? Oh, on a ça, mais c'est pas... On a la Classico. Classico del Madrido qui m'a valu 3 Oscars. Alors les amis, on peut apprécier les effets de lumière qui sont vraiment bien foutus. Ok. Journal personnel. Je vous laisse lire évidemment. N'hésitez pas à mettre pause. Je vous fais paragraphe par paragraphe. Et on est bon. Ok. Un établi, ça peut être très intéressant. Ah, putain, ça va être chaud de fou. C'est ça que j'allais chercher, les potes. Hein. C'est totalement ça que j'allais chercher, les potes. Hein. J'ai plus de points, j'ai plus rien, les gars. Waouh. Waouh. Niveau vie, on est au max, mais on n'a pas la dernière tenue. Donc il faudra aller la récupérer, évidemment. J'ai accepté d'avoir une tenue assez folle pour ne pas, justement, pour jouer sur les munitions, parce que la vie descend très vite. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien pour la suite de nos aventures sur Dead Space, évidemment. Allez, bye bye tout le monde.